Salut tout le monde, c'est Camille pour l'épisode numéro 7. Numéro 7 de Dragon Age Awakening. Quelle heure il est? Il est 13h32. Eh bien, j'ai failli attendre. Namaya? Toi, ici? Je tiens parole, moi. Au fait, tu avais vu juste. Le dépôt de phylactère est bien ici, à Amarantine. Ainsi, tu l'as trouvé? J'ai fait ma part. Ça, c'était un magicien, il avait deux visages. Quant à moi, j'en ai soupé des mages. Je crois que je te dois une fière chandelle. Tu peux le dire. Si tu te fais prendre en l'air, ne compte plus sur mon aide. Je tenais à le préciser. Et nous sommes le 24 août. Ouais, j'ai réussi à faire ma phrase. Brr, 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 brr. Je suppose que cela nécessite quelques explications. Ouais, quand même, là. Des amis à vous, j'imagine. D'ordinaire, elle se montre plus aimable. Bien plus. Ah. Namaya est une amie. Lors de ma dernière évasion, je lui ai demandé de me rendre quelques services. Voilà pourquoi j'étais à Amarantine. Les Templiers me soupçonnaient de vouloir embarquer. Mais c'était pour la voir. Vous avez le don pour tomber dans leur... pour retomber entre leurs griffes. Lors de l'enclin, les Templiers ont déplacé les phylactères à Amarantine, par précaution. Mon phylactère fait partie du lot. Namaya me l'a appris. Tant que les Templiers possèdent cet échantillon de mon sang, ils peuvent me retrouver. Je dois le détruire. Mais vous êtes gardé des ondes, désormais. Vous avez raison, ils n'ont pas le droit de vous contrôler, mais oui. Venir à bout des engeances nous occupe beaucoup, je le sais. Mais je me sentirai mieux quand nous aurons trouvé cette fiole. Bah, vas-y, ça fait des trucs à faire, de toute façon. Donnez le cap, intrépide capitaine. Enfin, tu veux... Oui, on va arrêter, on va se calmer direct. Bon, bah... Le chef des sbires. Et t'as pas marre de fuir comme une vieille fieuse. Oh, tourbillon! Tourbillon! Et voilà, il refuse. Et il va où? Il a tourné à droite, d'accord. Ce sera fait. Capuchon d'enchanteur. Je prends. Non. Petit piège. Personne n'a de pose de piège, mais je vais le prendre quand même, on ne sait jamais. Un jour, peut-être que je me motiverai à mettre un piégeur. On ira plus tard, on va s'attaquer à ce qu'on avait commencé la dernière fois, c'est-à-dire suivre l'autre. Allez, il est où le mage? Voilà, oh là, ils sont nombreux, donc comment je vais faire? Oh, avec la flèche dans la tête! Non, d'aller dans l'épaule. Putain, il fait chier à s'enfuir, sérieux. Oh bon, je peux pas faire chier. Allez. Des clics, des cliquets. D'accord, j'ai pas eu le droit de passer, c'est ça? Oh bah toi t'as mangé. C'est bien, ramasse de l'or, même si c'est pas grand chose. Forcément, au moment où vous dites ça, je ramasse tout sauf de l'or. Bombe incendiaire, allez, tout du poison, et ça, ça ne m'intéresse pas, les trucs d'endurance. Ah, tous ces fichus paysans en ville, c'est lamentable. D'accord, ça va être là-haut la quête. Donc je n'irai pas maintenant, je vais continuer avec ça tout de suite. Et puis on y retournera. Milice. Vous faites plus que votre devoir, commandeur garde. Merci à vous. Bah ouais, je l'ai perdu par contre là. C'est incroyable ce qui arrive. Je croyais qu'est-ce que l'enquête nous veulent, ces engeances. Mais c'est pas les engeances, moi, qui m'intéresse, là. Vous faites plus que votre devoir, commandeur garde. Merci à vous. Vous avez pas vu un connard, sérieux? Les phylactères s'y trouvent certainement. Regardez là-dedans. Il est parti par là. Et... Ah, quoi, qui serait bien. Garde. Il souhaite peut-être ne pas attirer l'attention sur cette cache. Serait-ce notre chance?
Ouais. Vas-y. Sceptre de foudre. Hein? Quelque chose me dit que je me suis pas spécialement trompé sur la planque, mais document privé, vas-y. Je peux pas lire ça. Ok, donc j'ai l'impression que j'ai pris tout ici. J'ai failli croire que l'infâme Ander ne mordrait pas à l'appât. Ah, c'est vous. J'aurais dû m'en douter. Fichu recrue que vous avez là, commandeur. Ander n'accepte aucune autorité. La vôtre n'y fait pas exception. Jusqu'ici, il a fait un excellent garde des ombres. Oui, jusqu'ici. Je vais faire en sorte que cet assassin soit mis hors d'état de nuire. Non. Quoi ? M'arrêter ? Pas question. Le roi Alistair a autorisé ma conscription. Bah pour le coup, ouais. L'autorité de la chanterie dépasse celle de la couronne dans ce domaine. Inutile de chercher à vous cacher dans les rangs de l'ordre. Pas question. Voilà qui ne m'étonne guère. L'ordre a toujours constitué un sanctuaire pour les criminels et autres maléficiens. J'ignore comment vous inspirez une telle loyauté, Ander. Mais c'est inutile. Maintenant, veuillez nous suivre. Oh, je vais être obligé de te tuer, je t'aimais déjà pas. Bah oui, je t'aimais pas du tout. Reloc. Et tu t'occupes de Reloc, ouais. C'est bien, tu lui as fait peur. Bah quoi, je lui ai fait peur. Bon bah voilà, faites-le, faites-le. Faites-la, tu te connasse. Allez, tiens, châtiment en plus. Ah, vas-y, c'est ta conne, hein. Bon, le problème, c'est que là, elle peut vraiment rien contre nous, quoi. On est vraiment trop, trop puissant. Oh yeah! Je me demande si Namaya était au courant. Enfin, ça n'a pas grande importance. Merci. Vous m'avez soutenu. Je vous en suis reconnaissant. Vous êtes mon ami. Entre amis, il faut s'entraider. Ouais, il est marrant. Moi, je l'aime bien. J'ai besoin de tous les gardes d'ombre, c'est vrai aussi. Je n'ai pas jamais porté les Templiers dans mon cœur. Alistair est un Templier. Pour vous, pas question de fuir, j'imagine. Vous êtes mon ami entre amis. Ouais. Oui, ça a du sens. Quoi qu'il en soit, partons d'ici avant que quelqu'un ne nous montre du doigt. Bon, on va fouiller un petit peu quand même. Approuve plus 16. Je regardais, je voyais pas ma jauge, mais c'est normal. Oh, Grain, t'es sérieux? On est juste potes? Anders déjà. Ah, j'en ai marre de boucher. Il m'admire, ça c'est cool. Et Nathaniel, il est neutre. Ok. Non. Alors, de l'eau magique, déjà. L'eau magique, c'est évidemment... Il ne fallait pas. Voilà. Le vase en or. Le vase en or, de l'or, c'est pour les nains. Ouais, c'est correct. D'accord. Du cognac, ah bah voilà. Ah bah, merci. Ah. Le cœur du guerrier, ah vas-y. Ouais, c'est correct. Ça de l'or, ouais non. Versé onirique, ça ne va pas t'intéresser. Lettre de Delia. Ah, pour Nathaniel. Oh, moi qui en ai toujours rêvé. Le journal abandonné. Des elfes ayant vécu. Ok. Je sais pas à qui le donner. Un elfe ayant vécu à Amarantine décrit les difficultés de la vie quotidienne et les rêves inassouvis de son peuple. Je vais attendre de voir qui j'ai l'autre en ami, parce que ça pourrait peut-être être utile avec ça. Étagère. Petite étagère. Un capuchon de l'apprenti, vas-y, je... hop, toi l'ami. Oh ouais, l'ami. Voilà. Potion du lyrium mineur. Voilà, ça t'intéresse, je suppose. Ouais.
L'XP, on en est où? D'accord, ok. C'était pour savoir les points pour les niveaux. On est quel level au fait? Level. C'est écrit où? C'est écrit où? 22. Pas normalement. Ah, mais pas tout le monde. 21, 21, 21. Ok, y'a que moi qui suis 22. Très bien. Donc j'ai l'impression qu'on a pas mal fouillé. Allez, vas-y. De toute façon. Je sais pas pourquoi ça pue la sortie, on va se faire. Je sais pas, je sais pas. On a commencé à quelle heure? 13h32. Hein. L'avantage c'est que j'ai gardé mon deuxième écran. Pour voir ça. Même pas. Bon. Du coup, je sais pas où sont partis les connards, nonobstant. J'irai bien. Ouais, voilà, là-haut. C'est là que je voulais aller. Parce que les invités du bouche. Voilà. Ne fuis pas. Piège de pression. Ouais. Je sais pas pourquoi je prends les pièges en fait, j'en servirai jamais je crois. Oh, un or, c'est génial. Je sais pas gérer mon argent dans ce jeu, c'est ouf. C'est vraiment trop chaud. C'est fermé. Tain, par où? Comment on ouvre? Déverrouillage impossible, même toi je suppose tu peux pas. Je m'en occupe. Clé nécessaire, bah oui. Et pour que j'aille voir l'aubergiste alors si j'ai bien compris. Ah on va aller voir le prévôt. C'est marrant, ça me rappelle vachement Neverwinter Night. Bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui étaient moins fans, parce que c'est vraiment un autre style de jeu. Mais c'est vraiment dangereux. C'est contrebandier. Il y a une maison abandonnée qui pourrait mener à leur repère. Cette maison est à l'abandon depuis des années. Dire qu'elle leur a servi d'entrée tout ce temps. Oui. Il y aura sûrement quelqu'un de garde. Et qui dit garde, dit clé. Bah oui. Bah, je vais mener l'enquête. Si vous trouvez un moyen d'accéder au repère, les contrebandiers sont condamnés. Bah. Bonne chance, commandeur. Merci. Je suis content. Nathaniel approuve. Putain, cool. Donc voilà, il y a quelqu'un de garde. C'est super. Ah bah, le v'là. Pff, t'es sérieux. N'épuisons pas nos ressources. Bon, donne la clé. Donne la clé. Non, donne la clé. Non, c'est pour ceux qui connaissent pas le Nullbuck. Hop, on sauvegarde. Il est quelle heure? 13h45, on a encore le temps. Vous avez déjà utilisé une clé. Allez, je vais juste passer, moi. Coup de bouclier peut libérer vos alliés de l'étreinte d'un ennemi. Merci. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, le temps de chargement est beaucoup moins long. J'ai réinstallé Windows. Eh oui. Bonjour. Vous occupez pas de moi. Hein. Bon, allez. Occupez-vous de moi. C'est toi que je veux. Vas-y, passe par là, là. J'ai entendu parler de vous. Vous avez fait des misères à mes gars, pas vrai? Ouais. Eh bien... Allez, c'est là qu'on va prendre le match. Il y a un boss. Bon bah écoute. Bah, tout me paraît pas mal. Vas-y, fuis comme un lâche. C'est génial cet AOE là. Wouah! Elle est où la tête? Eh, t'aurais pas vu la tête?
Ouais. Oh non, 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 non. Ça, j'ai plus d'ancien. Tu es bon? C'est quoi ce truc que j'ai autour de moi là? Ah! J'étais en train de chercher où commencer. Non merci. Tiens, oui, j'arrive à cliquer à côté. Ok. Je vais la prendre puisque ça se revend. On va tout prendre, on a la contrebande là. Gants de mystificateur. Ah, donc en fait là on est dans le stuff pour l'ami Nathaniel. Là je peux pas aller plus loin évidemment, d'accord. Bon bah Nathaniel déjà, on va aller sur toi. Tu vas avoir des nouveaux gants si tout se passe bien. 1,66 plus de dex plus d'attaque. Tu auras moins d'armure mais tu attaques plus fort, c'est bien. 50. Waouh. Le reste c'est de la daube. Et en armes, donc ça non évidemment. Pardon, je vais me réinstaller. Hop. Voilà, en plus Ender ça a pris un level. Lancer pieux c'est pas bien. Enfin c'est pas bien, c'est pas ce qui m'intéresse. Flèche de glace, c'est très bien. Anders. 6,4, je fais la puissance magique et électrique. Dégâts au lieu de spirituel. Ouais, c'est un peu kiff bourriqué. Hein. Donc là, il passe level 22. J'aimerais bien faire mage de guerre. Tu as besoin de quoi de toute façon? On va monter ta magie à 50. Je crois que les 50, c'est bien. 58, t'es sérieux? Donc non, ça m'intéresse pas. Et je regarde comment on redistribue tout parce qu'il y a plein de trucs qui ne sont pas intéressants. Et ça. D'accord, tant que ce sort est actif. Oh, vache. Un flux d'énergie répulsive émane du mage à chaque vague, les ennemis rapprochent sont poussés à moins de réussir un test de résistance physique. Waouh, ça coûte du mana à chaque fois, d'accord. On va augmenter ça déjà. On va faire un pur mage et puis après on augmentera le reste. Donc là non. Donc les niveaux sont encore loin. Allez Nathaniel. Avec ton joli casque et tes nouveaux gants. Flèche de feu, cool. C'est pas mal. Comme vous voulez. Ouais, vas-y. Bah, je crois qu'on a fait tout le tour, non? T'es sérieux? Ah non, d'accord, on a pas fait tout le tour. Outil de serrurier. Ah, ça c'est au corps pour Nathan. Mmh. Ah, vache. Bon bah merci. Oui, je continue. On a pété le chef de façon, j'allais dire, super facile. Et on arrive à l'auberge, c'est ça. Merci, ça ne m'intéresse pas. Immédiatement. Oh oui. Oh, j'ai dit oui. Bonjour, vous inquiétez pas, hein, je ne fais que voler. Sur le champ. Le mec en fait c'est il vient pour sauver le peuple et tout, mais il vole partout. Bonjour, bonjour, merci, vous avez rien vu. Je suis une ombre. Sorcha. Vous voulez vous rincer le gosier, étranger? Je cherche un garde des anges appelé Christophe.
Oui, je me souviens de lui. Adressez-vous au patron plutôt, derrière le comptoir. Merci. Adressons-nous au patron alors. Hubert peut pas le voir. C'est non alors. Que puis-je pour vous, l'ami? Un garde des ombres. Nommé Christophe est-il passé par ici? Et vous êtes qui sans vous commander? Je suis son commandeur. Oh, soyez le bienvenu, sir. Ça fait une bonne semaine que je n'ai pas vu ce Christophe. Où il est allé, mystère. Sa chambre est réglée jusqu'à la fin du mois. Il devait compter rester ici un moment. J'aimerais avoir la clé de la chambre de Christophe. Bien sûr, tenez. Ça va, c'est facile. Bonjour, je suis son chef. La dernière chambre au fond du couloir. Mais si jamais il revient et se fâche, gare à vous. Ouais, il peut pas. C'est moi le patron quand même. Tiens, au passage, t'as quoi toi? Qu'est-ce que je vous sers, l'ami? Ouais, tu me proposes quoi? Alors, non. Oh! Ah ouais! Le miséricorde attaque plus 10, visée rapide, d'être... Oh la vache! Ça coûte super cher, mais je prends. Ensuite... Ouais, non, bah non, de toute façon, là, je crois que j'ai un peu le top du top, là. Pied... Ouah ! Ah non ! Oh putain ! Pied agile, dextérité, défense. Oh, il faut un masse de force, par contre. Donc, non. J'ai endurance 50 en plus. Qu'est-ce que tu veux rajouter là-dessus ? Donc, non plus. 1,66, j'ai plus de dé... Ouah ! Ah oui, d'accord, j'avais pas vu le prix ! J'avais pas vu ! Tac plus 6... D'accord. Tu ne proposes rien. Tiens donc. Ouais, je vais pas me faire chier avec les katas, j'en ai déjà pas mal. Mage de sang! Oui! Psychomancien! Oui! Ta-da! Ta-da! Psychomancien. Psychomancien, on a dit que c'était... Putain, merde, je n'ai pas... Merde! Et toi, c'était quoi? Gardien spirituel. Hop! Guerrier spirituel. Oh, tu n'es pas super spirituel. Hein. Résistance physique. Et là, c'est quoi? Naturel. La spécialité. Ok. Qui confère un bonus de statistiques. Une nouvelle chaîne de capacité plus efficace. Les spécialisations se déverrouillent en apprenant. Ouais, on s'en fout. D'accord, bon bah tant pis. Je ne veux pas prendre ça. Fermé. Merde, je crois que j'ai peut-être appris quelque chose. J'ai appris psychomancien? Ah non, j'ai pas appris psychomancien. Psychomancien! Les esprits démoniaques ont plus à enseigner que le magie du sang, ainsi les psychomanciens terrorisent les ennemis, seraient pas ennemis et se repaient de leurs âmes pour guérir sa chair. Il peut aussi sombrer dans la frénésie sanguinaire. Oh, ça c'est bon ça! Panam! Psychomancien. Nécrophagie, rien n'est plus doux que la mort aux yeux du psychomancien. Il absorbe l'énergie, il vient restaurer sa santé. Oh putain, c'est-à-dire que plus je tue, plus j'en ai. Oh yeah! Oh, c'est génial! C'est K. Non, c'est pas K, c'est ça. C'est pas du tout ça. C'est quoi? Ça? Merde. Ouais, du coup, hop, ça tu dégages. Voilà. Activé. Oh, c'est terrible! Anders. Anders. C'est putain des compétences. J'ai pas du tout de points. Gain de niveau. Auto. Non, je veux pas le faire auto 22. Il est guérisseur vital. C'est moi qui ai merdé ou. Pareil. C'est moi qui ai merdé. Il est quoi? Il est guérisseur vital et mage. Ouais, non, bah non, je ne sais pas. Ok, bon, repartons correctement.
On va aller dans la chambre de l'ami. Eh ben, on va pas aller dans la chambre de l'ami parce que... On va s'arrêter là. Oh, oh non, sérieux. Épisode 8, 08, pour l'épisode 8 que je donne rendez-vous cet après-midi. Allez, ciao tout le monde. Ousse.